Voilà, salutations à vous, chers compatriotes. Banamboka, vous êtes branchés connectés na www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Boloa, l'international. Voilà, tout le monde. Grand père, merci. Na grand prêtre mère Francine Nguéme de la Belgique. Grand prêtre mère, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Santé dérangée qui m'a manqué, mais tu as toujours des retours. Alors, tout le monde qui m'a parce que ma maramboka n'est pas au Kendelebo, et ça m'a mon boulot. Grand merci à vous et toute l'équipe aux Ali réunis. Il y a Congo dialogue au travers le monde entier, Mobimba. Kinshasa, RDC, politique congolaise, tu habites donc. Qui est maintenant médiocre, qui est collabo, qui n'est pas collabo, qui est traître, qui n'est pas traître. Nous sommes dans la confusion, maintenant nous ne s'en vont pas. Alors j'ai toujours à y voir le réel plaisir de recevoir mon confrère, hein, l'analyste politique, secrétaire général. Bon, habité mon repas, ça va qualification. Ça, là, on a Namboka Kinshasa en direct de la RDC. Moi, Namboka Eric Boukoula. Bienvenue, Ndeko Eric Boukoula. Merci, Ndeko Josué Boloa. Bonjour à vous aussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et l'occasion pour moi aussi de vous féliciter pour la Moussala. Makasi, Ozosala pour Namboka, bien qu'à partir de Mboka Libanda. Vraiment, merci beaucoup Ndeko Eric. Yopé, merci Mingna Moussa Lozo Sala. Loba na mwambe koufite koufite. Mwamba, c'était mwamba que vous faites. Zo kanete bakse sili tondeni. Non, 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 c'est-à-dire des bons mwamba, il y a qui plateforme moro qui était créée les plateformes de la société civile, hein, les partis politiques. Au sein des bons mwamba, il y a bah, libéraux baouti, en fait, bah, jeunes baouti, bah, différentes tendances politiques. Ce n'est que normal que Moutouna Moutaz a concentré nous sur parti naïe, sur candidature naïe, sur. Ok, voilà, merci beaucoup. Alors, allons un peu droit au but, Ndeko Eric Mwanamboka. Je crois que tu es un peu bilingue pour te permettre, Ndeko Bazola Ndabiso. Ah, perception normale, qui a fait objectif à Genève, et Zalaki Nin. Hein? Meeting à Genève, et Zalaki a fait Nin, qui est en Suisse, qui est en moyen. Et puis, bon, tu as une fondation, Kofi Annane, sa pote, bah, on peut pas qu'il y ait une mission à Bangoz à la Kinin, en fait. Objectif à Genève, c'est que bah, le leader politique n'a pas eu à voir, surtout bah, à l'opposition, au tout le monde, G7, grand 7 opposition, bah, il y a un candidat qui a un candidat Moko. Donc, il fallait bah, vendre autour d'une table, bah, il y a un Moko, il candidat na bango. Donc objectif ça qui vraiment yango wana objectif yé banaki na parce qu'ils avaient commencé ma tractation là depuis moi kala ba banaka en Afrique du Sud. En fait awa Afrique du Sud du fait que ba misusu ba qui permet de rejoindre bango. Il y avait ceux qui sont exilés misusu ba qui donc en fait ba premier on a mbokaté on sait que ba réunion mboka se tient ici na mboka awa la Kinshasa. Il y a toujours des tracasseries de la part des autorités qui sont dans notre camp. Donc voilà, il fallait bah, bah, qui en Afrique du Sud, bah, ça là qui communiquait commun, bah, promettre qu'il y a avant les 15, bah, qu'on bimisa candidat commun. Voilà, qu'il y a avant les 15, bah, qu'il y a à Genève. Donc l'objectif est qu'il y ait un bimisa candidat commun, c'est qui est attendu par tout le monde. Voilà. Si vous candidat commun en gros, moi, bah, tu es un peu stupéfait, un peu surpris. Hein, premier résultat, Fatih Abimi. Félix Tshisekedi, Abimi, alors tout le monde est Ningandagi. Et quelques heures après, mon ami Solé a changé, je crois que nous avons balancé l'image en haut. Quelques heures après, nous avons commis Martin Fayoulou. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, écoutez, première impression, c'est qu'il a fait cette rumeur. C'est qu'il juste une rumeur, ce n'était jamais Fatih. C'est qu'il les coups s'étaient mis à deux tours. À deux tours. Premier tour, ce sont les valides qui venaient pas voter. Et puis, voilà, il y a eu deuxième tour. C'est un peu ça. Donc, tant que c'est pas qu'il y a juste des rumeurs, tu vas balancer déjà. Premier tour, c'est Salama qui est dans huis clos. Et puis, deuxième tour, c'est quand deuxième tour est Sili, mais finalement, annoncé officiellement. Donc, ils ont des rumeurs, soit ils ont mis qu'il va jouer avec le pouvoir. Donc un favori sondage vote tirage au sort quel que soit processus et salama qui a non juste qu'à bah rumeur que Félix Tshisekedi qui candidat comme mais ça là qui en pleure. Bon, les gens ont dit que non, non, et comme il y a un tribalisme, bon,
Après, Martin Fayulu. Allons un peu, Tokinumamba Mundeko Eric. Martin Fayulu a bimi. Après, c'était le 11. Hier, on nous annonce que pression et salami à niveau IDPS. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi pression et salami après président Bimi, président Félix, pour dire que moi, je vais convaincre ma base pour Natal si réellement, la cause à la convaincu ou pas à retirer signature Nangaï. Pression est comme elle est à niveau Nin. Pression, si on parle de pression, c'est total côté IDPS. On a assisté à des crimes. Des scènes de violence, je peux dire ainsi, des scènes de manifestation, de colère. C'est les IDPS, la range est moins limitée, Batumbi Bapne, combattant Basilika, une poignée de combattants Basilika qui, de la même chose côté à UNC. Kuna, c'était même pire parce qu'il y avait même provocation parce que, comme Oye Biango sur renseignement, siège à UNC, là, il y a Fayulu et Talana. Alors, pendant que les. Partisans a décidé à Fayulu et de la dynamique de l'opposition générale Bazagiko célébré, c'est de l'UNC, Babani Pambamabanga et tout ça. Et donc voilà, c'était un peu la même chose. Donc, pression, c'est ce que si c'est ce qu'on appelle pression, alors on a un sérieux problème. On a un sérieux problème parce que quand un leader, quelqu'un est un leader, c'est lui qui est supposé mener la masse, pas se faire mener par la masse. Il y a Chichito décision impopulaire au Azouaka, il est resté ferme et Mémapé Batoubalanda Yango. C'est vrai, il faut écouter la voix de la majorité, mais un leader, c'est Moutou Oyo qui est supposé parfois prendre des mesures impopulaires, surtout Soka Yebi, que les a pour un intérêt à partir de la barre, pour un intérêt, il y a nation à barre mobile. Alors, Batoubalanda qui s'est à Genève, dans Oubakei, je me rappelle. Même un meeting il y a 29 septembre à Anakin, la population va parfaite battre Rwanda. Bah, il sait que la population qui est au bout de candidat quand même, mais tout c'est une guinava. Base au bout de la suppression, c'est tout ça la marmée. Voilà. Alors, en allant dans la réunion, on a un vote, il faut avoir la mentalité que ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Parce que si on doit avoir cette mentalité-là, que c'est fait aux élections ce mois ou rien, alors toujours tomber, on ne devra reprocher rien à FCC. On est toujours accusé le lot de vouloir tenir l'élection au Yobango, Kakane, Bakoukiko, Kanye. Alors quand vous allez dans des élections comme ça, il faut savoir que vous pouvez perdre. Alors c'est le plus malin ou le plus sage ou le plus astucieux qui gagne. Ou tout haut à celui-là qui vient, il a gagné. C'est ça les élections. Voilà, soit il y a une élection, l'élection est acquittée qui est populaire et qui n'est pas populaire. Voilà. Parce que ma critère et puis ça m'a dit qu'il y a quatre personnes qui sont candidats. Quatre personnes à la Bazawana. Vous voyez. Alors, ils sont tous, vous représentez, vote, manque. C'était ça la règle. C'était ça la règle. Baké premier tour et puis baké deuxième tour. Allez, Michoussou va s'entrevoter, va boyko se voter. Et Fayulu a bimi n'a plus de voix que Michoussou. Alors, je ne comprends pas. Ok. Voilà, Boza, branché, connecté dans TorW. Nous faisons juste l'analyse. Ça, c'est votre émission, l'espace dialogue avec moi, Josué Boloa. Cette plateforme là où la réflexion, la connaissance se rencontrent. Hein, nous sommes des médiateurs, n'est-ce pas? Tout soutenir l'homme, tout réfléchir ensemble. Ben, si dans ces salles, mindengenine, parce que tout le monde a des réseaux sociaux, tribalisme. Et comme ce que le Kambaba Congo, Batabandou, Nabalou, Banaminitio, parce que Martin Fayulu, Aleki. Alors, monsieur Eric, et le Abisso, quel est votre point de vue? Comme tu as dit que Félix Tshisekedi c'est un leader, apparemment il a été influencé par la base et puis la masse, n'est-ce pas? Ne salue que parce que 48 heures, mais 48 heures et qu'on quitte donc dans 24 Pamba, Moutazui décision, il y a qu'on retire. Alors, Lélo Naton, Tozola Naba News, information que bon, c'est comme si ça la suma coalition entre UDPS et UNC. Vous pensez que Eza idéal, il y a opposition, un beau cannabis, tu vas opposer un beau cannabis, ceux qui vont opposer, nous avons un peu divisé dans la minute, vous montrez quelque part. Combat on a habité Bozo Lobana Mambozo Salazo Balanate. Non, écoutez, Ndeko Boloa, il faut dire une chose, qui au départ déjà, pour qu'on gagne FCC, on n'a même pas besoin que l'opposition soit à la Moko. Voilà. Mais pourquoi on veut opposition Moko? C'est pour maximiser les chances. Nous savons que nous faisons face à des gens qui utilisent le moyen de l'État, qui utilisent l'argent de l'État et qui veulent tricher. Alors la seule façon, Yako, vaincre Bango, c'est d'abord d'être unis. D'où la nécessité à unité.
tu vois, avec commis que deux camps. Mais c'est ça l'horreur où l'IDPS a ça là depuis toutes ces années, c'est de minimiser le reste. Il y a opposition. C'est dire, voilà, sans nous, ils ne peuvent rien. Mais on a vu plusieurs fois que le reste de l'opposition a été capable de se. De s'imposer. On a vu Mars, oui, ça démarre. Ouais, ça, il épaisse, ça a réussi. Alors, c'est ça le problème. Et c'est un problème, je le dis, c'est toute la classe politique qui a un problème. En général, la classe politique actuelle. On n'a pas d'homme d'État. Ouais, on n'a pas d'homme d'État, on n'a pas des gens qui sont capables de respecter sa signature. Mais vous par pas... exemple, le cas Félix, il a eu 48 heures. Il avait dit même juste après que voilà, je vais trouver un moyen de convaincre ma base. Et comme on lui a donné 48 heures, il pouvait que revenir sur place Awa à lobby na base Wana. C'est lui l'élite. C'est lui la mais président. Mais il est encore en Europe à ces temps ici. Oui, c'est ça exactement. Mais il Bazo a consulté, on a convaincu Bazo. Ça, on n'est pas sur le téléphone. Bazo a consulté, on n'est pas sur le téléphone. Il est sur le téléphone, il a tenté de dire qu'il retire sa signature. Ouais, juste parce que quelques effigies d'ailleurs. Alors qu'on a vu. Le sphinx, Yachichi, c'est pour ça qu'on l'appelait leader charismatique. C'est parce que lui était capable de rester ferme avec sa décision. Et même Mandela, au moment de ces grands leaders-là, ils étaient capables d'accepter. Mandela, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec lui quand il a dit aux gens que non, voilà, Bobo Maman, Mandela était tout le capitaine, tout sanguin, et il ne soit bien écouté tout être. Mais c'est une décision de l'homme. On a vu ce que ça a fait de l'Afrique du Sud, c'est parmi les pays, meilleurs pays dans le monde. Alors c'est ça un leader. Alors, quand le leader va pêcher écoute 48 heures, et je lui écoute à 6 heures, à céder, il y a des questions. Et en fait, analyse M. Zotoko, ça, là, il faut se poser aussi la question est-ce que finalement, agitation à niveau à base Wana, ce n'était pas créé par la leader Wana Bangomoro. Parce que je vois très mal un secrétaire général qui a dit des pèses à Zalaga, élu, nommé par le président, donc il a été nommé par le président. Fachi, mais qui, juste après signature, il y a Fachi, après annonce un candidat comme elle, lui qui dit que cette signature n'engage pas l'IDPS. Quel droit il peut faire ça? Donc, au moins, c'est un peu. Et de l'autre côté, à part la poignée déjà, la très petite poignée déjà, on a la Monaki, Liboso, à siège à Inesso, UNC, on a vu que la famille des Kamere qui a réclamé. Alors, de quelle base il parle? On s'est dit que quelque part, on ne sait jamais. Mais un jeu qui profite à qui? C'est ça la question. C'est un jeu qui profite à qui? Comme je faisais blague avec Baninga Morolobita, le Raïs Azo, à Pambali, la Mabela Azo Seka, Lembina Seka, à Bengina Chantari, la téléphone, Azo Seka. Si vous pouvez contester des votes, Oyobo Salibino Moro, c'est un parti pour nous, c'est un règlement politique, la dame politique, sans machine à voter. Bongo Oyo, et vous savez, à niveau national, vous pouvez déjà voir. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Ndeko Eric. Je suis avec Eric Bukula, analyste politique, secrétaire général de la plateforme Tebengimo Amba, un révolutionnaire qui fait un bon travail au niveau à Kinshasa et puis au niveau à monde entier, Mobimba. Merci encore une fois pour votre temps. Si vous êtes la bienvenue, bah, numéro dans votre petit écran. Vous appelez Mboka Moussika, vous voulez aussi nous appeler dans WhatsApp, comme ça nous allons aussi prendre votre point de vue par rapport à la cohésion entre UDPS et UNC, bah, retirer la signature na Bango, na G7, bah, lobby. Non, c'est engagé Bango T. Un candidat commun à opposition est Ali Bangote. Alors, quel est l'avenir de UDPS? Quel est l'avenir de UNC? L'avenir de Félix Tshisekedi ainsi que Vital Kamerhe? Est-ce que ça... Bon, s'il faut utiliser un peu Eric Natuna, est-ce que Bazo jouait un peu double jeu? Est-ce que bah, manifester parce que certains réactions à bah, téléspectateurs, bah, compatriotes, bah, le big bazar réellement bah, très très bah, lingimbo kate parce qu'il fallait bazar la souder, quel que soit. D'accord, ça là qui en haut, va tenir toujours ferme pour Bakende. Va présenter candidat, moi, qu'on a niveau à l'élection, le 23 décembre. Double jeu, bon, c'est possible, hein, vous savez, en politique, tout est possible. Surtout côté à Kamerhe, il faut le dire, tout il est versatile, hasard inconstant. Donc, c'est très, très, très probable qu'il joue le double. Et puis, il fallait voir, il a réagi juste après Fachi. Donc, Alinga qui était à Salon, déjà, il est Moko. Mais Alinga qui a Banga qui va mettre sous le casquette, ou peut-être, alors, à Zélie, dans Fachi, à Salon, il est pas à Salon. Donc, c'est possible, surtout côté à UNC, c'est très, très, très possible qu'il y ait la double jeu. Parce que, est-ce double jeu ou pas,
ça profite au FCC. Ça, il faut le savoir. Ouais. Donc, c'est ça l'essentiel. Polo va peut-être que lui, il est pèse Bazumbo, Tobazuité. Mais ce qu'ils font, c'est comme s'il n'y a pas Tobazumbo. Parce que Elo Bazo, ça, là, ils ont profité le régime en place. Et le régime en place a désormais des arguments, a désormais dans ma cartouche. Oyo, ils diront, mais cette opposition-là, elle n'était même pas unie. Dans la coutou, Bazalakibo. Dans la coutou, Bazalakibo. Dans la coutou, c'est tout ça qui m'a plein. Dans la coutou, Bazalakibo, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est donc, ce donc, fait c'est, que, quoi, on peut suspecter, s'il faut utiliser le terme, suspecter que ces deux politiciens, ils ont été corrompus quelque part pour. Un peu trahir l'opposition commun, n'est-ce pas? Quelque part, s'il faut analyser les choses comme ça, est-ce qu'il ne peut pas être toi confirmant Ndewana? Parce que comment tu peux faire pendant tout ce temps, moi, voyage Bossali Moulaï en tant que G7, et la dernière minute, c'est parce qu'il nous reste quelques semaines pour la campagne Banda. Dis-nous un peu, Poto, qui est un peu dans ce que à venir, si il y a opposition dans l'ensemble, vous voyez ça comment? L'avenir de l'opposition face à FCC. C'est une fissure où il faut se le dire, ce sera difficile à rebondir ça, surtout à quelques semaines, de lancement de la campagne électorale. Donc, c'est une erreur très stratégique. Moi, j'ai déjà, le peuple ne pardonnera pas cette opposition, en tout cas cette classe politique. Ce qui reste à faire, moi, je ferai que conseiller Bandeko, qu'il revienne sur place, qu'il va convaincre. Parce que j'ai suivi quand Félix parlait, il a dit que je vais d'abord essayer de parler à la base et puis on verra. Donc, Azo va comprendre que c'est pour l'intérêt. Félix l'avait bien dit quand il a dit je dirais à ma base que s'ils ne le font pas, ça sera pour l'avantage du FCC. S'ils ne le font pas, ça sera dans l'avantage des Kabila. Je vais la faire comprendre. Fayulu, on n'a pas d'homme d'État. On a un homme d'État. Les gens veulent se faire important mais pas utile. Vous allez important mais aussi utile. Vous allez miner les bélés, mais tu n'es pas utile pour la population. Donc c'est un peu ça. Alors sinon qu'à faire comme les Basalaki revient, on va revirer les sous. Parce qu'on ne voit pas sur base de quoi c'est Fayulu qui va désister comme battre sur base de que Fayulu Kassiatik. Non, mais Fayulu Kassiatik, il a été élu par Banani Nyoswa. Voilà. Donc pour l'instant, et même pour la communauté, il a la psychoplace et opposition et perdre non seulement de crédibilité dans le niveau du pays, mais au niveau de la communauté internationale. Olobiango, c'est un ancien représentant à MONUSCO, donc MONUC à l'époque, avant la RDC, qui a facilité Babiloko, qui était le facilitateur. Alors, donc, un monsieur comme ça, une figure comme ça, une figure internationale nettillée, au Salissier Bagé. Au Salissier Bagé. Donc, Alexis Nitané a pas ma beau pacole Bouzoba. Donc, ils comprennent finalement que l'opposition congolaise, ce n'est pas des gens de confiance à traiter avec. Donc, on va co-signer les lots, lobby va changer. Or, la communauté internationale, pour l'instant, vu les lots qu'on va traiter les bazoulins, les sous Kabila Yamoana, c'est qu'il n'a pas respecté peut-être encore là-bas. Donc, ils ont besoin à bateau des interlocuteurs. Sérieux. Au moins, il est interprété sérieux. Alors, tant qu'on aura déjà classe politique à bout, ils se disent, mieux vaut encore garder les messieurs au pouvoir. Donc, là, il y a pays, crédibilité au niveau de la population, n'a crédibilité là-bas, au niveau, il y a moins de crédibilité, mais il y a quand même perdu. Tout est perdu. Le même parti, à Balouka, n'a pas payé Bélé. Mais, mais ce n'est pas sérieux, ces gars n'est pas sérieux. Et vous voyez un peu ce qu'il fait. Mais lorsque vous dites que ces messieurs n'est pas sérieux, bon, les gens vous traitent de collabos, les gens traitent de tribalistes, ainsi de suite. Bon, quand je dis les gens, c'est-à-dire le membre de l'IDPS, pense que Moutonio Sazote Lemela Oaza contre retrait à signature, il y a Félix Tshisekedi, Aza tribaliste. Je ne sais pas par rapport, il y a argument, on a un membre à IDPS, un cadre à IDPS, et puis bon. Artisan à Bango Bazolo Baka, qu'est-ce que vous allez répondre dans quelques minutes? Que comment il fallait c'est pas d'abord appuyer que et puis Bondi m'a beau pé ça fait raison que a retiré signature Azar vraiment moi n'a mboka lingi pena peuple na. Non, il faut reconnaître que au sein de l'IDPS, il y a une poignée d'extrémistes, c'est une poignée de militants qui sont des extrémistes. Il faut le dire, c'est une poignée des gens. L'IDPS n'a pas membre pélé sur le territoire national. Combien ont manifesté? C'est juste le groupe Mokobazaki na 12e rue, 11e rue. Ouais, et c'est juste par
à part groupe Moussous au bazar sur les réseaux sociaux qui s'amusent à insulter les gens et tout ça. C'est une poignée, mais l'UDPS, c'est grand. L'UDPS, c'est toute une lutte. L'UDPS, c'est autre chose. Donc, il faut comprendre cela. Moi, je dirais que, partout, il y a des tribalistes. Mmh. Et ce sont les tribalistes qui sont au sein de l'UDPS qui essaient de faire croire que, l'UDPS, c'est un tribaliste. Et on va l'oublier, mon bal est mort, on finit ici. Donc, c'est ça. Donc, il y a une poignée des gens au sein de l'UDPS qui sont des extrémistes, des tribalistes, et c'est eux qui essaient de donner l'impression que finalement, ces partis-là, un parti des tribalistes, c'est qu'il faut aussi. Sur le terrain de la hiérarchie, il y a l'UDPS, tu vois, que ce ne sont pas que des Baloubas, Kaboun n'est pas Baloubas. Ouais, il y a beaucoup de gens-là qui sont des tribalistes, et c'est eux qui donnent cette mauvaise connotation à ce parti-là. Eric Boukoula en direct de Kinshasa RDC, Banamboka Bozapi, bienvenue. Nous sommes à niveau à Cape Town Awa. Nous sommes à cadre Nyon sur UDPS, il y a MLC, il y a parti opposant Nyon. Il y a majorité, peu, si vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Vous contactez quand on a numéro dans la WhatsApp. Tout s'arranger, tout va en plateau, tout réfléchir ensemble. Quel est l'avenir de des opposants? Hein, entre guillemets, s'il faut parler des opposants au niveau de la RDC, si on en a, homme d'État, il y a venu là-bas. Non, c'est ça la question. Si on en a encore. Bon, s'il faut pas maintenant, parce que vous êtes opposant, vous salimo à fond, comme Nabino Mongo Boyale. Vous vous opposez entre vous. Bon, ça, je vais parler ça à la fin. Mais c'est Rick, bande de contacter, il y a un numéro de Rotiawana. Question d'un gars sous Kanayo, pour Nalelo peut-être, je crois que demain, après demain, tu as besoin pour des thèmes, soit Mike Mike. Martin Fayulu, candidat commun à opposition, n'est-ce pas? Face à Chadari Emmanuel, candidat à FCC. Sondage, Nayo.